Laura, voici la classe incarnée. Christian Allemagne. Lui aussi il est rapide. Avec Talou Bezen. Et bien voilà, c'est un sans faute. C'est un sans faute pour Christian Allemagne. On vous l'a dit, il est rapide, Christian Allemagne. Il est très, très rapide. Et c'est un sans faute. 31-86. Très loin. C'est là que ça se joue sur ce virage. Et il le prend bien au milieu. Parfait. Court petit arrondi. Il enchaîne avec ce nouveau virage. Allez, il va peut-être être plus rapide que Christian Allemagne. Il est plus rapide que Christian Allemagne. Il est plus rapide que Christian Allemagne. De rien du tout. 31-86 pour Allemagne. 31-85 pour Nick Skelton. Et ben le Britannique qui prend la première place provisoire en attendant le passage de Ben Maher. Et c'est là. Et le voilà Ben Maher, et c'est là Ben Maher qui connaît l'équation. Il doit faire mieux que 31-85. Le virage. Il a encore pris plus court que Nick Skelton. C'est bien pris, c'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue sur le petit virage. Impeccable. Là encore, il faut qu'il raccourcisse, c'est ce qu'il fait. Il va raccourcir, il passe l'Auxerre. Dernier obstacle, 31-85, parti de Vatpat. Oui, il est plus rapide, il est plus rapide. Incroyable, Ben Maher qui s'impose ici à Londres devant Nick Skelton. Il a été rapide, il a pris plus court tous les virages. Et il s'impose devant son public qui est bien évidemment très très heureux. Mais de toute façon, la victoire ne pouvait pas échapper à un Britannique. Mais quel passage de Ben Maher qui s'impose très très facilement. Mais vous avez vu comment il a raccourci tous les virages. Et il est arrivé très très vite sur le dernier obstacle. Victoire de Ben Maher ici à Londres. Très belle victoire de ce jeune garçon.